Bonjour, bonjour. On se retrouve pour notre petite vidéo du matin. J'espère que vous allez bien. Juste pour un petit message de la part des anges gardiens, avec l'oracle communiquer avec son ange gardien. Voilà, donc juste une carte, juste un petit message pour avoir un petit encouragement pour la journée, un petit message positif en tout cas, en ces temps un petit peu de confinement et de difficultés quand même pour pas mal d'entre nous. Voilà, donc on va voir tout de suite ce qu'il en est. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée de lundi. On va voir tout de suite le message donc pour cette journée donc de mardi. Allez, on y va. Hop, et on va prendre celle-ci. Et là, les anges gardiens nous disent, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que tu ne te réponds pas et que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Là, ici, ce que notre ange gardien veut nous dire pour cette journée, c'est que bien souvent, on recherche des réponses à nos questions. On est plein de doutes, plein de questionnements, et on a du mal effectivement à trouver les réponses. Et on va demander à tout le monde. On va interroger ses proches, on va interroger ses amis, on va interroger ses collègues de boulot, on va demander à n'importe qui. On va avoir tellement de réponses à notre question. Que finalement ça va nous perdre encore plus. Là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est peut-être simplement de se recentrer et de regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour avoir les réponses à nos questions. Bien souvent, on a la réponse. Le message que l'on cherche souvent est à l'intérieur de nous. Il faut juste apprendre à écouter la petite voix qui remonte vers notre conscience. Ça s'appelle l'intuition. Il faut faire taire notre mental. Il ne faut pas analyser, il ne faut pas juger les mots, il ne faut pas juger ce que l'on est en train de lire ou ce qu'on est en train de nous dire. Il faut vraiment laisser plutôt la place à ces émotions et aux sensations qui nous envahissent. Et à partir de là, on va bientôt peut-être être surpris par la réponse qui va arriver, qui va découler de cet état dans lequel on se met. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va écouter ses émotions, écouter ses sentiments, faire appel à son intuition, on aura forcément une réponse. Alors peut-être que la réponse ne va pas être celle que l'on va attendre, mais pourtant, bien souvent, notre intuition nous connaît ce qu'il y a à l'intérieur de nous et le temps va lui donner raison. Souvent, avec le recul, on se dit, ah ben ouais, finalement j'aurais peut-être dû le faire avant, ou j'aurais peut-être dû m'écouter. Ah ouais, j'aurais dû entendre ça, j'aurais dû le faire. Souvent cette petite phrase, j'aurais dû, c'est cette petite voix au fait aujourd'hui qui va répondre à la question que vous vous posez aujourd'hui. Voilà, tout est à l'intérieur de vous. Les informations, en fait, vous les avez tout le temps à disposition, il suffit d'aller les chercher. Donc avec un peu de pratique, un peu peut-être de méditation, un peu de recentrage, un peu d'écoute, d'auto-écoute, eh bien on va apprendre à aller chercher ces réponses au fond de soi. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse passer toute la journée en pleine réflexion, aller chercher les réponses que vous vous posez tout au fond de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée de mardi et je vous dis à demain donc pour une nouvelle carte, un nouveau message des anges gardiens. Voilà, bonne journée, à bientôt.